Dans la vie, on s'imagine qu'il vaut mieux tout prévoir. Pourtant, tout le bonheur du monde se trouve dans l'imprévu. C'est pourquoi, parfois, je me promène au gré du vent sans vraiment savoir où je vais. Je prends mon plaisir dans mon voyage, peu importe la destination. Et ainsi, parfois, la vie me fait un cadeau. Ce matin, j'ai croisé un enfant. Cet enfant rêvait d'un bateau pour pouvoir naviguer sur les flots. Mais cet enfant n'a pas de iPad pour en commander sur Amazon. Alors, il a fait appel à son imagination pour se construire le plus beau des yachts en fouillant dans les poubelles d'un restaurant du village. Le premier pirate thaïlandais était né. Mais ce qui m'a impressionné, ce n'est pas son intelligence, mais sa détermination. Car une fois son bateau mis à l'eau, son rêve ne faisait que de commencer. Le plus dur était en train d'arriver. Il devait apprendre à naviguer. Alors, j'ai pu assister à ce magnifique combat entre l'océan et l'enfant. L'océan ne lui faisait pas de cadeau. Mais à chaque fois qu'il tombait du bateau, cet enfant se relevait pour recommencer. Peu importe la difficulté, il avait un rêve et il ne voulait pas y renoncer. Mais après quelques minutes, l'impossible arriva. L'océan se laissa dompter par l'enfant et ainsi il a pu naviguer. Ce matin, cet enfant avait un rêve, celui de faire du bateau. Personne ne lui a dit que c'était impossible. Alors, il a réalisé. Cet enfant, c'est toi, c'est moi. Il représente chacun de nous. Alors si toi aussi tu as un rêve, ne laisse personne t'empêcher de le réaliser.